Pendant 2 mois, on a eu un drôle de quotidien. Enfermé chez nous, il fallait bien oublier le stress de la situation. Même si de drôles de projets atterrissaient sur notre machine à coudre. Mais la créativité, c'est ce qui nous a permis de tenir. Vous en voulez la preuve? Bien. Tu commences, Marie-Pascale? Alors, qu'est-ce qui m'a fait tenir le coup pendant ce confinement? Ben, la couture. J'ai cousu pour moi, j'ai cousu pour les enfants, j'ai tricoté. J'ai même crocheté, rangé pas trop. Mais j'ai surtout terminé ce magnifique quilt maison. Ça m'a pris des heures, mais bon, d'un autre côté, c'est pas comme si on avait autre chose à faire. Donc voilà, faut s'accrocher, faut tenir bon, parce que c'est pas fini. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites pour tenir le coup? Eh bien moi, j'ai cousu un masque et un paletot Burda assorti. C'est pas la classe, ça. Regardez-moi ça, c'est dingue, hein. Bon, de toute façon, la couture au milieu, c'est pas conseillé, donc j'espère pouvoir sortir avec mon paletot le moins possible, car il faut faire attention. Allez, toi, t'as fait quoi? Alors moi, ce que j'ai cousu pendant ce confinement qui m'a fait le plus grand bien, c'est de la couleur et de la couleur. Je peux que vous conseiller de vous mettre au tissu flashy, ça met une dose de vitamine D de bonne humeur et ça fait un bien fou. Allez, attrape. Bientôt le 11 mai, mais ceci étant, rien n'empêche de bien prendre soin de vous, de faire attention à vos sorties, de profiter de ces petites merveilles pour continuer les créations. En tout cas, j'ai refait ma garde-robe pendant cette période un peu compliquée qui pour moi a été une pause et très bénéfique. Alors, continuons à rester prudents et prenez soin de vous. Hop. Voilà, moi c'est pour le confinement m'a permis de faire beaucoup plus de tricot que d'habitude. J'ai pu avancer largement mon gilet. Je suis super contente. En plus, on a eu énormément de chance d'avoir beaucoup de soleil, des bonnes températures. Je suis souvent dans mon jardin à écouter ces oiseaux, de voir les fleurs de mon jardin fleurir, d'être autour de mes animaux, mes poules, ma chèvre, mon tricot. Voilà, ça s'est bien passé. J'espère que vous aussi. Prenez soin de vous. Comme à l'accoutumée, j'ai bien sûr cousu du noir, du gris, bref, du foncé. Mais j'ai aussi cousu de la couleur, ou comment, de fil en aiguille, j'ai pu transformer des draps en surblouse. Et toi, qu'as-tu fait pendant le confinement? Pendant le confinement, moi, j'ai pu coudre mon ginger jeans. Sympa, non? Super contente, enfin fini. Et toi? Durant le confinement, je me suis mise à la broderie. J'ai fait mon premier essai et j'en suis très contente. Grâce à ce projet, j'ai pu me réaliser un joli sac zippé, hop là, comme ça, pour y mettre mes projets tricot ou crochet. Et toi, qu'as-tu fait pendant ce confinement? Ah, mais non, pas celui-là. Voilà, c'était mon doudou pendant ce confinement, je l'ai réalisé au crochet. C'était ma petite bulle de douceur entre deux moments stressants. J'allais dans le jardin avec mon crochet, mon bol à laine, et le voilà, il m'accompagnera le jour de mon mariage. Pour moi, le souvenir de ce confinement, ce sera le patchwork. Utiliser des petites chutes de tissu, c'est gai, c'est coloré, et ça permet de se concentrer. Cependant, on continue la vigilance et on reste couvert et on essaye de rester à la maison. Le confinement prend doucement fin. Le printemps est dehors, le déconfinement sur toutes les lèvres. Nous sommes pleins d'espoir, mais aussi légèrement anxieux de reprendre une vie sociale, une vie normale. Et pourtant, il faudra encore patienter pour se rencontrer, échanger et flâner. Nous sommes là, podcasteurs et podcasteuses créatives, tricot, crochet, couture, pour vous aider à supporter la situation, pour vous donner des idées, pour vous aider à vous dépasser, pour vous donner du courage, pour vous insuffler un peu de bonne humeur, pour tenir bon, pour vous aider à garder le cap, pour
pour vous aider à vaincre la solitude, pour vous aider à souffler. Maille après maille, point après point, tricotons, crochetons, cousons nos précieux, tissons la solidarité et prenons soin de nous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Prenons soin de nous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Mais pas comme ça. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Alors, sortez couverts. Et surtout, quand vous sortez, j'y arrive pas. Et surtout, quand vous sortez, sortez couverts.